Alors, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui ne connaît rien comme infiltration ou complicité dans Makambo Ezali Kosalama, est-ce que M23, appuyé par l'armée rwandaise, Bazali Kosatake na biso, Akobanga Nini, et puis de deux, il a l'appui de la population. De mon qui n'a Ruzizi, n'est population aille franchir frontières rwandaises et congolaises. Pour la reporte à la Rwanda, que nous sommes prêts à vous combattre jusqu'à ce qu'il y aura une paix véritable rétablie dans notre pays. Donc c'est pour vous dire que voyage à chef de l'État. Bonjour président Gustave. Oui, bonjour mon amour. Président Gustave, vous êtes partout dans la télévision. Bonjour, télévision. Bonjour, président. Oui, nous avons évolué très bien. Nous avons évolué en Zambé parce que lobby dimanche, donc hier le dimanche, nous avons totalisé 2 mois après opération. Donc il me reste encore 4 mois parce que les médecins m'avaient conseillé à coopter. Un repos au moins à 6 mois. On a eu beaucoup mis en Zambé parce que je suis en vie aujourd'hui. Et on a profité de cette occasion pour nous présenter ma condoléance dans l'Aï. Je suis encore à Fédéral et UDPS, à Oute Koukoufa, vraiment, au niveau de la Founa. Donc, on a passé ma condoléance dans la famille. Et quand on a prendre l'Iwanaï, je me suis dit que vraiment, Dieu m'a aidé, Dieu m'a épargné. Mais apparemment, c'est que vous avez abandonné. Tu arrives à Sangwana. Bon. Comment tu fais un fédéral à cause de l'abandonné? Je ne sais pas que vous avez abandonné parce que abandonner, ça demande qu'il y ait plusieurs éléments constitutifs pour ne pas constater réellement que non, vous avez abandonné. Voilà, moi, je suis allé parce que dans la convalescence, je suis à la maison. Mais j'ai appris par le canon. Il y a des réseaux sociaux aussi, il y a différents appels, il y a des Komususu, Liwanaye. Donc, Nadali Koweb Sakaka, Natatan Zambé, Afan de Samoli Mouena Kimia, ma condoléance dans la famille Naye. Et je dis aussi un grand merci, Nanzambe Nenga permettre, Nanazana Bombo et après, l'opération Nanga. Et Nanzambe Oya Toucha Kimite, mais il y a Batou Moussousou pour nous soutenir. Et je profiterai encore de cette occasion pour dire un grand merci. Excellence Nicolas Kazadi parce qu'il n'avait pas hésité. Merci aussi à Excellence Didier Boudimbou. Merci à Blanchard Kabbalah. Merci à Yokasson. Merci à vous. Merci pourquoi? Parce que ils ont participé à mon rétablissement. C'est-à-dire ceux qui l'ont opéré, ces gens-là ont aussi à contribuer. Bien que après avoir remercié Bango, Batumusu bakiei pona ko diaboliser bango ko ebisa bango ke en tout cas malasima soki a beli ko soutenir yete qui vous dit seulement que non ngana ozalaka na pona ko bela donc na zeb sana bato ba espera ki peut-être comment nangai ko nyo kwa manakati ya hôpital ko espera peut-être comment nanga ko kufa parce que na sala nanga bango elo te me bango ba inangai samba ko fonda bango mais yezam ta jamba kabunu te mwana mboka non écoutez Nazali mutu ya Nzambe d'abord premièrement, Nazali combattant de l'UDPS, Nazali cadre de l'UDPS, ok? Kolobananga que Nazali mutu jama kabundo, c'est trop excessif dans le sens ya koleki sa maloba. Je suis combattant de l'UDPS, mais le col a un bon cadre. J'ai eu quand même à respecter la hiérarchie qui était en place. C'est comme aujourd'hui, je respecte le secrétaire général Augustin Kabuya. Cela ne veut pas dire que non, je suis, kabouyiste. Non, nous avons soutenu le prédécesseur Yakabound, nous avons soutenu le prédécesseur Yabamavungu, nous avons soutenu ma prédécesseur Yabajakmen Chabani. C'est comme ça l'UDPS. Et Ngaloko, la cadre, je ne peux que me référer au statut Zali Kolobananga. Donc il y a une différence entre un militant et un cadre. Voilà ce que je peux dire. Donc, je ne suis pas kabouliste parce que les kabouliste. Les kabouliste l'ont suivi. Moi, je suis tshisekediste udopicien. Dans la zone udopicien parce que je suis dans l'UDPS. Tshisekediste parce que c'est lui qui nous a formé. Bah, émission on a salé la kabouli, c'est parce qu'il était encore à l'UDPS. Et moi, en tant que cadre, je ne pouvais que le défendre.
Dans la réalité, lorsque Mavunga a bandit des désordre, nous avons été bateaux et à l'Iboso, bandai côté de Mavungu. On nous taxait des chilombistes. Et tellement que même si on a couleur, on a des chilombistes. C'est ce qui a fait que tant que papi, le président du Parlement de Bouyachang, on a quartier 1, moi j'ai été élu, je n'ai pas été imposé. J'ai été élu. Et dans le cas de Wana, il y a eu certaines personnes qui ont soutenu Mavungu. Qui sont restés avec nous. Il y a d'autres personnes à cette fois-là, à cette époque-là, Nathanaël, c'est Mboubaké et Chibala qui m'avaient quand même fait leur confiance et qui ont élire Nana Zoé Bissayo. Je serai peut-être le meilleur président du Parlement de Bouy élu de l'histoire. Parce qu'à cette époque-là, le Parlement de Bouy, il y a quartier 1. Les Calbitus, il y a des bandes qui ont régorgé partout sur la tienne, on a été les parlementaires de Bouy. Nous avons été au-delà de 800. Je m'excuse, c'est ce que je dis là. Le président Kabound, il est parti, il le sait, il le savait. Et le secrétaire général actuel, il le sait parce que Toyaka a déposé PV Nabiso après l'élection d'Angaï. Vous voyez, parce qu'à cette époque-là, il était dans la communication et dans la mobilisation du secrétaire général, l'actuel secrétaire général Augustin Kabuya. J'ai été élu avec plus de 500 voix. Sur les 800 votants, on a course. Nous avons 4 candidats. Dans 4 candidats, Namoko, nous avons au-delà de 500 voix. Morino, nous avons une centaine de voix, à peu près 140-160. Et le reste, là, c'est partagé. Nous avons moins 80 voix, quelque chose au Etikalaka. Donc, c'est-à-dire, les gens m'avaient fait confiance. Et aujourd'hui, nous sommes restés toujours dans cette logique-là. J'ai été nommé secrétaire national. Je suis nommé, j'ai été aussi nommé fédéral. Donc, il y a un principe. Je reste toujours dans le principe. Aujourd'hui, ce qui est là, le secrétaire général Augustin Kabuya Zate, et que le secrétaire général Moussou Soye, président du parti Moussou Soye, et que Nana Zaga cadre du parti, je leur ferai toujours, je leur respecterai toujours. Donc, Barozo a toujours référence dans Gaï. Référence dans Barozo Aero parce que c'est ça le principe vrai. Pour les gens qui ont un statut Nabiso. Merci beaucoup, mon amour Gustave. Je vais comprendre bien ce que tu as dit. Ah, tu as dit que tu as dit la liberté, mon maquillé, tout ça, précisément. Tu as dit précisément dans le marché de la liberté, non loin Nandakou Nangaï, parce que vous voyez très bien que pendant la opération, je suis en repos, je ne sors pas. Mais je m'étais décidé quand même de parler un peu, de communiquer, de donner la position, de faire de mes analyses par rapport à la situation politique. Néanmoins, le lot Tosali, précisément, il y a passerelle, il y a marché de la liberté, Topé Nabitabe, Neska Toussa, la émission Nabiso Lelo, à 150 mètres, il y a Ndako et Sikanga, Nafandak. Merci beaucoup, mon amour. La ville est calme. La ville de Kinshasa. Tu m'as dit que tu le président de la République. Fais attention à ton mot. Oh, c'est que ça. C'est que mon amour est à Brazzaville. Que nous avons tout Denis Sassou Nguesso. Pour nous ressentir ici, à travers Denis Sassou, pour Paul Kagame, ton mon amour. Non, écoutez, Ndeko, nous avons un journaliste au retiré l'engagement. Le président Félix Antoine Tshisekedi ne peut pas aller demander pardon à Paul Kagame. Pourquoi? Parce que. La faiblesse, il y a peu président Songolo Pakala. Et ça la rassure qui d'abord, un, il est complice dans la rébellion et dans la carte de Mboka. De deux, s'il n'a pas le soutien de son peuple ou de sa population en général. Deuxièmement, en Ukraine, ce qui fait la force de l'Ukraine, c'est parce que le président a le soutien de la population et lui-même n'est pas, je dirais, complice dans la guerre aux Alliés au Salama. Il va subir une agression. Et le président Félix Antoine Tshisekedi, qui ne connaît rien comme infiltration ou complicité dans Makambo Zali Kosalamana, est-ce que M23, appuyé par l'armée rwandaise, Bazali Kosatake Nabiso, Akobanga Nini, et puis de deux, il a l'appui de la population. Tout le monde qui n'a rouzizi, n'est population aille qu'on franchit frontières rwandaises et congolaises, pour la reporte à la Rwanda, que nous sommes prêts à vous combattre jusqu'à ce qu'il y aura une paix véritable rétablie dans notre pays. Donc c'est pour vous dire que voyage à chef de l'État,
Félix Antoine Tshisekedi. Na Congo Brazzaville, ils allaient voyager après Koutanaï na Angola. Parce que na Angola, ils devraient être là pour se rencontrer dans le mal africain, le loho, ils allaient Paul Kagame, le mal africain, le démon africain autour de Paul Kagame, malheureusement, a quitté. Pourquoi? Parce que à Bangaki, à Ota la Gabari, à Fatam, sur le côté gauche, droite, à quoi y a chaos, à Tigalakuna, na Angola. C'est ainsi que dans le cadre, il y a pour parler, parce que vous serez d'accord avec moi, il y a la MONUSCO qui a évoqué l'option militaire, mais l'ONU a évoqué l'option diplomatique, c'est-à-dire on doit se parler. Oui, dans l'option diplomatique, même moi, je suis d'accord avec ça, parce que la diplomatie va aider les deux pays à garder leur paix, je dirais, à garder leur paix, je dirais, le plus long possible. Parce que ceux qui peuvent na bangoana et qu'on souka kaka na mukuse et qu'on zala malamute. La guerre, oui, on peut aller rapidement, on fait la guerre, on gagne la guerre, mais peut-être par après, la recrudescence soana et koki kozala les sous. Donc, et loko oyo, ngai, na pesi mbote pa ya le président Félix Antoine Tshisekedi. Il y a comment on a dengue après que tu as Angola qui est dans Brazzaville. Et ça, pour un problème à Paul Kagame. Mais au contraire, quand on a Brazzaville, il y a ici dans Sassou, parce que Sassou fait partie, il y a ma signature, il y a corps cadre, il y a Addis Abeba. Et le bas que aucun pays ami ne peut affronter la République démocratique du Congo ou ne peut appuyer les rebelles qui viennent créer l'instabilité dans la République démocratique du Congo. Donc on a besoin des gens qui ont prévu tout ça dans l'Ango, tu accuses qu'ils les rendent avec les preuves à l'appui. C'est ainsi qu'après l'Angolais, Joao Santos, Lorenzo plutôt, après Lorenzo, Joao Lorenzo, et qu'on a la tour, il y a mon amboka, Denis Sassou Nguesso. Bien que ça, le président Félix Tshisekedi, il y a Makambouya M23. Le président Félix Tshisekedi a mis dans Sassou Nguesso. En 2013, M23 a été attaqué, traqué, voire même en matériel, et Zala qui confisqué, saisi par notre armée. M23 à Kimaka, histoire naye et Bumaka. Mais le long temps où Asali recrudescence, cela veut dire que le M23 a un appui quelque part. Et avec les éléments autour au Koutanango, parce que l'affaire pénale, on a toujours demandé qu'il y ait de preuves, n'est-ce pas? Et ma preuve, elle est montée sur Nango. Et ça, ma militaire rwandais Obiso Tokangaki. On les avait arrêtés. Donc, le roi Tokangaki, on a seul un Obiso Kota. Cela veut dire que c'est le Rwanda parce qu'ils avaient l'identité rwandaise et les tenues rwandaises. Donc, ce sont le Rwandais au Bazali derrière. Il y a instabilité au Bazali dans l'est de la République démocratique du Congo. On n'a pas profité de la minerie de la Bissou. Mais moi, je n'ai pas dit que Kagame a ignoré les militaires rwandais. Ce ne sont pas les militaires, ce sont les Rwandais, bien sûr, mais bah, on a dit que la casquette est militaire. Nalobi, écoutez, tu as dit que la casquette est militaire parce que Awa, tu as dit que la tenue de la Bissou, tu as dit que la tenue rwandaise. Tu as dit que la carte rwandaise est la Bissou, tu as dit la Bissou, tu as dit que non, c'est faux et archi faux. Donc, ce qui est vrai, ils ont essayé un peu de changer. Au départ, bah, Wanganaki, que non, ce ne sont pas des militaires rwandais. Par après, ils ont accepté que c'était des militaires rwandais, mais Oyo, armée Nabiso, et Kendaki Kozouabango, n'a sol rwandais. Or, notre armée n'a jamais foulé le pied n'a sol rwandais. Donc, cela voulait justement justifier que Batouana, Bazali Batou, va l'instabilité instabilité dans le cannabis, et Tokotique la Bango les tentait. Le président Félix Antoine Tshisekedi, tu es ici dans le boy. Félicitations, coup de chapeau, peuple dans Simanayo, armée Pazana et Longo. Sore Rosenga Bania Mawana to Betana Bango Makofi, to Betana Makofi. Et le long, on a l'ingé expliqué Batou. Le phénomène Kagaméphobie. 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 Ah. On mène te bête à la xénophobie. Tozo bête à la Kagaméphobie. Donc, on a mis en place de partout. C'est un mot. Il y a aussi un peuple dans la révolte. Il y a un peuple dans la révolte.
na lingina expliquer bango ces nouveaux vocabulaires oyo to memi yango to kotisi yango na dictionnaire français la cagaméphobie. La cagaméphobie est un peu différente de la xénophobie. La xénophobie est à la ca esprit abattu basan la mboka na bango. Ils ne veulent pas que les étrangers viennent habiter dans leur pays. Bazo boma bango, baza ko maltraiter bango, ndenge salamaka na Afrique du Sud, on appelle ça la xénophobie. Maintenant, la cagaméphobie, c'est quoi? La cagaméphobie est répertoriée par trois comportements ou trois éléments. Le premier élément, c'est le pillage des minéraux d'un autre état voisin. Ce que je dis, c'est que c'est un cagaméphobe. La cagaméphobie, premier élément. Deuxième élément, il y a cagaméphobie, Zalini. Il vient tuer la population d'autrui. Na sol na yemoko ay comme ba autochtone nege tozomo na les rwandais ba logo na rwanda ils viennent tuer les congolais na mboka na bango sous la puissance ya kagame yango to bengi la kagaméphobie. Troisième élément, soko moni mutu akonda ayaka munene te aza tala mbunzu munene comprendre que mutuana Azana virus ya kagaméphobie. D'où il faut qu'on extraire qu'on boit kaye libanda. Donc, na expliquer ce que nous appelons aujourd'hui la kagaméphobie. Ce sont ces trois éléments-là. Et comme ma passe, na kati ya République démocratique du Congo, neto sengi, na armée na biso, baye ba na commettre fin na maladie ya kagaméphobie. C'est-à-dire, qu'on mette Kagame hors état de nuire, qu'on mette Batoué Zali qu'on soutenir M23 hors état de nuire, et qu'on y paie ça dans le Congolais au Ezali stabilité na bango. C'est comme si, est-ce que pour le moment il y a une relation diplomatique entre la République catholique du Congo et Rwanda? Pour le moment, est-ce qu'il y en a? Non, écoutez, je dirais qu'il y a une relation diplomatique, mais qui reste étendue jusque-là. Donc pourquoi ça reste étendu? C'est parce que Bissoba Congolais de comprendre que c'est Paul Kagame qui est derrière. Il y a des désastres où ils allaient consacrer la main à Est Nabisso. C'est lui qui est en train d'appuyer le M23. Quand on voit Paul Kagame, on voit directement le Rwanda. C'est ainsi que la relation Nabisso na Rwanda, il faut rester toujours étendu. Merci beaucoup, mon ami. Malgré tout, Rwanda a réclamé que c'est ma belle homme. Vous êtes capable de la réclamer. Rwanda réclame toujours bien. Rwanda! Mobutu Kabila et Mabele Wanate. Le père pas assuré que ce qu'il a Mobutu a repris de venir. Soki Kabila le père a assuré Kaye. Je dis bien Soki. C'est au conditionnel. Soki, si Mouzé Kabila avait assuré ou avait promis à Paul Kagame une portion de terre, il y a République démocratique du Congo en cas de victoire, il y a armée rwandaise au bas côté pour nous bénir Mobutu. Akende Kolanda, Mouzé Kabila, na tombo na ye, Esika Azali, Akende Kolanda, moi na ye Joseph Kabila, parce qu'il a aussi beaucoup d'argent. Bayo Kanasora Otega Kingakati, ah donc c'est la bango mbongo na bango. Mais le Rwanda restera un bien ya peuple congolais. La terre congolaise n'appartient pas au Congo, au président congolais, ni au ministre congolais, ni moins encore au militaire congolais. La terre congolaise appartient à toutes les populations congolaises. Nandenge Tozalé, on a 26 provinces, et Zali Mabele Nabisso. Donc nous ne pouvons jamais accepter Yako Cédé en gros parce qu'un soi-disant président aurait fait des deals avec un autre président. Merci beaucoup, Mme Boka. Je suis comme il y a vendredi. Hein? Vendredi, Mme Boka, Martin Ferrand, c'est que je te dis, il part d'essai. Patriotisme. Non, félicitations à Martin Fayulu. Il a compris réellement que il faut soutenir l'armée Nabisso parce que Martin Fayulu ne donnait pas la chance à notre armée.
Martin Fayulu fustiger notre armée. Martin Fayulu relayer yena ba prince Pengé. Prince Pengé bazalai ko relayer ba atrocité oyo. Je dirais le rebelle, le ZADF bazalai ko infliger na population na biso ya est. Mais le col FARDC a monté en puissance. Fayulu s'est senti devant un fait accompli. Yango Azali Marchouana. Le col Azali na sol congolais. Azali marche pour soutenir, je dirais, les militaires congolais. Trobo et Angote, on ne peut que l'applaudir. Mais dans le même dit pas, c'est un faux fuyant. Et l'autre Azali qui est Martin Fayulu, la deuxième volée, Azali marche, c'est parce que. Bongo ya Kabila o ya Liakiwana et Kange Sigana Kingo, $500,000, oui. Nous avons tout suivi au travers des médias, $500,000. Au travers des médias, nous avons tout suivi que Martin Fayulu aurait touché $500,000 et vous n'avez pas ya Joseph Kabila. Bon compte la Broya Lamouka, malheureusement, le Oyo est créable au Kabwani, est créable division et Mouzitu a boya Gokota. Na bloc patriotique na bangouane. Merci beaucoup Mboka. Donc bien na souké mission na bisou na sur l'Italie, les réformes électorales ou ba Mboka lobi pe la réforme ba pourtant que ngo ke et d'action zo ngal mapona yo ngal la de tout. Bon bon te yo souté comme on le ngon ngi mambo. Li kam ya de tout wana nga na betela ngo c'était déjà bandakala. Vous savez pourquoi? De tout ezo et de bisou peuple congolais tous se retrouver dans quel sens? Dans le sens, il y a une légitimité parce que dans deux tours, il y a deux candidats. Celui qui sera élu président de la République et celui qui ne sera pas élu. Vous comprenez? Alors, dans deux tours, le président qui est élu a au-delà, il y a 50% de voix. Déjà, ceux qui ont vu 51% de voix, a vu 52% de voix. A vu 53% des voix, ils ont pu ça y est, légitimité. Alors, dans eux, ils ont déjà légitimité. Et ça, c'est comme on croit malade. Et concernant que le président qui sera élu a bénéficié de légitimité, il y a majorité, il y a peuple congolais. Donc, c'est-à-dire, quand il va commencer maintenant à travailler, vous allez voir au moins la majorité, il y a peuple congolais, Bakozala, Nassi Manaye. Voilà ce que moi je peux dire. Na sepeli na idée wana et za la kaka bongo ya deux. Est-ce que nous idée pèse beaucoup ka idée pèse beaucoup ka ko battre l'élection 2023? Non, puisque idée pèse to ko battre l'élection en 2023, déjà d'abord, nous avons le président de la République qui est un membre de l'idée pèse bien que aujourd'hui il n'est plus activement par rapport ya constitution na biso. Et si arrivé que en 2023 yé, à Zongi, il est le col à membre à IDEPES. IDEPES, tu as accompagné parce qu'il y a l'un de fruits dans Bissot. Et puis de deux, tu as battre campagne pour Naye et aussi pour la candidat dans Bissot, pour vous aller député et dans sénateur. Pour moi, IDEPES 2023, pour vous battre campagne parce que zéro, le peuple va se retrouver dans une taille en casse. Non, écoutez, quand on a 2023, IDEPES, tu as combattre campagne, moi je dirais que. C'est faux et archi faux. Donc, combattre campagne. Le peuple congolais, oui. Moi, souffrance, soit Zomon à l'élo. Et ça, n'est pas la souffrance à Bandai, comme on a l'époque, il y a Joseph Kabila. Vous voyez un peu? L'époque, il y a Kabila, le peuple a beaucoup souffert. Mais dans l'élo, le peuple ne souffre plus comme c'était auparavant. Donc, voilà ce que moi, je peux te dire. Je suis rassuré que dans 2023, le président Félix Tshisekedi sera bel et bien élu, mais aussi IDEPES va très bien battre campagne. Merci beaucoup, Mme Boka. Merci beaucoup.